Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode d'Europa Universalis 4. On se retrouve avec l'Ethiopie juste après avoir réussi notre défi. Très très beau défi, petit Prester John. On va quand même convertir, hein, bien sûr, Constantinople, parce que ce serait quand même plus classe. On était en train de faire une petite guerre par là, histoire de se faire du blé. Ici on avait une bataille qui allait se faire, ok, très bien, ça ne devrait pas être trop difficile. On a Tunis qui arrive tranquillement pour nous aider. Pas de stress, on allait lancer une autre guerre dans le coin, je crois. On est en train d'amener des troupes histoire de faire blober Yao au maximum et l'intégrer ensuite. Et là, l'idée c'était de prendre ce machin. Alors, ce machin qui a déjà une revendication là, donc on pourra directement le faire blober sur les Tchokwe si on veut. Parfait, parfait. Donc, vous m'avez dit, hein, plutôt dans vos commentaires que vous voudriez qu'on aille chercher Erevan, qui est donc aux mains d'Arbadil, hein, pour l'instant. Donc il faudrait qu'on aille le récupérer, soit qu'on libère l'Arménie en tant que vassal, mais de toute façon il faudrait conquérir la province, soit qu'on aille la chercher à la main, sachant que du coup on n'a pas trop moyen d'avoir de casus belli sur eux, hein. Les vassaliser, pourquoi pas éventuellement. On va envoyer un mec améliorer leurs relations, ils sont amicaux avec nous, donc avec un peu de bol, j'y crois pas trop, hein, parce qu'ils sont quand même assez gros. Et il y a des chances que la Perse aille les chercher assez vite. Encore que non, ils garantissent l'indépendance d'Arbadil, la Perse, donc ils vont probablement pas l'attaquer du coup. Pourquoi pas. Ici, on était en train de faire des revendications n'importe quoi. Un truc ici, on avait un marchand qui glandait. Ah! Ok, tiens, j'avais pas vu celui-là. Ça devait sûrement être un marchand qui vient d'une dépendance quelconque. Alors ici, on n'en voit rien et du coup, on a 11 qui se barrent. Ça me paraîtrait pas mal de transférer ici. Parce que du coup, il y a 9 qui vont par là. Il y a 11 qui vont ici. 18 qui se barre ici, 16 qui est piqué, 16 qui se barre à l'ouest. Donc là par contre on en a 9 qui arrivent là et qui sont plus ou moins redirigés par ici. Donc on va essayer de les envoyer plutôt vers là où nous on a de la puissance, tant qu'à faire. Eux ils font quoi d'ailleurs? Ils protègent le golfe d'Aden. On va voir si c'est pas plus rentable après de les envoyer par là. Donc le temps qu'il arrive, 7 jours... Donc oui, la bataille en bas, c'était vraiment histoire de dire quoi. On y est. Et il envoie du coup, pour l'instant, rien. Hop, voilà, c'était remis à jour. Ah oui, et du coup, on a 24 qui se barrent par là. Là, ça, c'est beaucoup plus rentable, ça. On en a plus. Du coup, il n'y a plus que 1 qui part par là au lieu de 11. 9,83 qui va par ici. Et du coup, on est passé de 17 ou un truc du genre à 24 là. Ce qui fait qu'on va ramasser beaucoup plus ici, c'est parfait. Alors ici, du coup, hop, on va aller prendre ça, ici c'est pris. Est-ce qu'on avait d'autres personnes dans cette guerre? Oui, il y avait d'autres personnes, il y avait Kassanje. Ah, on a une armée qui est déjà en train de s'en occuper, donc ici on va dessiéger. Et après, l'autre qui reste, c'est lui, donc on pourra pas vraiment y faire grand-chose, on n'a pas ce qu'il faut pour traverser. Alors ici, on a vu un petit peu des troupes, mais elles se sont tirées, mais elles viennent. Donc les écraser en speed, on va essayer de les poursuivre peut-être. Ici on peut en choper quelques-unes, c'est parti. On va choper les 1000 péons, on va retourner là faire le siège et on s'occupera du reste après. Allez, là c'est bon, on va les envoyer par là-bas. Vous allez aller là-bas histoire d'empêcher qu'il y ait des trucs qui soient repris, mais... Donc ici, on laisse ce qu'il faut pour le siège et on va intercepter les copains. Ah, ils se cassent avant qu'on les rattrape. La protection du commerce contre le... Autriche se prépare à attaquer la cité de Carniol. Écoute, fais donc ça. Donc ici, il se barre. Je sais pas où il va, mais on va le rattraper. Hein. Voilà. Hop là, voilà. Donc ce que je veux, hein, comme d'hab, c'est une paix avec lui, une paix séparée avec lui pour ramasser un peu de thunes. On verra la suite après. Bon, par contre, pour le coup, au niveau du commerce, on se fait un paquet de blé.
Ici d'ailleurs, toi, l'amiral, là, ce serait mieux s'il était sur le bateau. Ah, mais on en a un autre sur le bateau. Je m'en fous avec autant d'amiral, là. D'amiraux, pardon. Deux de manœuvre ici. Et là, deux de manœuvre aussi. Bon, ok, très très bien. Ah oui, on a 5 commandants sur 5, parfait. Parfait, parfait. Bah, il va peut-être être temps d'investir dans un peu plus de bateaux dans le coin. Hop, 9 et 10. Voilà, on va faire 10 bateaux de commerce pour aller s'occuper un peu du commerce dans les autres zones, dans les autres zones intéressantes. Alors ici, on va aller par là-bas. Oh, ici, il y a des gens. C'est parti. On va le laminer jusqu'au bout. On a découvert un mec en Espagne, pas de problème. Non, toi tu restes. C'est toi, je veux que tu reviennes parce que tu sers plus à rien. Ok, KSNG est tombé. Une paix, tomblée des répas de guerre, tu veux pas encore. Ok. Il faut donc qu'on pousse encore un peu. Donc là, on va se séparer. Hop. Hop. Et hop, c'est parti. Donc l'idée étant de prendre un maximum de trucs ici, puis de vassaliser ce petit truc là. Qui va nous détester un peu, mais d'ailleurs on va envoyer quelqu'un tout de suite améliorer les relations avec lui. Alors là, ah oui, là-bas du coup, là-bas. Là-bas on a aussi des trucs à faire. Alors est-ce qu'on attend la fin de la guerre? Je sais pas si ça vaut bien le coup, y'a qui là? Ashantis, c'est ce machin là. Oui, on serait complètement capable de faire cette guerre sur les deux tableaux. Hein. On a un commandant là. Il y a un autre qui s'entraîne quelque part, peut-être, non? Si, il y en a un qui est là, non? Il n'y en a pas un qui est là. Où sont mes commandants? Il y a lui qui est là, ok. Donc toi, t'es Naod. Naod, bah t'es très bon. Tu vas mener l'attaque sur Zazo. C'est parti. Hop. Donc c'est une reconquête pour notre vassal. Et c'est parti. On a des troupes en exil. What? Lui, il a lâché l'accès militaire, c'est ça le délire? Bah, c'est triste. J'ai envie de dire, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est triste, mais on s'en tamponne un peu. Alors, sa gueule, où ça? Indépendance de charge à Casimir. Ah oui, c'est parce qu'on est en train de convertir. Ça va se calmer à un moment. Voilà. Ah, il reste encore du temps quand même, hein. On a Zanzibar qu'on pourrait convertir, tiens. Intéressant ça. C'est un état ça. Oui, c'est complètement un état. On va imposer la religion à Zanzibar. Voilà qui est très très rentable. Kilwa. Où es-tu, Kilwa? C'est parti. Ça coûte 25 par mois à Kilwa, pas de stress. Hop. Et hop, voilà, c'est parti. On va dépenser un peu de blé. Un peu du blé des autres, plus précisément. Alors ici c'est fait, ici c'est fait, ici on est parti. Ici, bah du coup, ils sont en exil. Je sais pas si je les mets sur une province assiégée, ça marche. Je suis pas sûr. Alors ici, il y a une petite armée toute pourrave qu'on va essayer de choper. Bah, j'aurais peut-être dû laisser quelqu'un pour le siège. Ouais, il peut plus nous échapper, donc c'est parfait. Alors, on pourrait peut-être prendre un conseiller quand même. Droit de douane, constitution de réseau d'espionnage. On a beaucoup de points, donc c'est pas forcément ultra rentable, mais non. Bah, pour l'instant, on va attendre un peu d'avoir du budget. Voilà, ça c'est fait. On est reparti. Ici, on a des paysans qui se sont soulevés, les coquins. Regroupons-nous. Donc là ça a marché, il est plus en exil lui. Parfait. Enfin cela dit, peut-être qu'il va lâcher l'affaire le copain là. Je demande une paix, donc je demande son blé, je demande des répas de guerre, il accepte, allez c'est bon, on va le laisser se démerder avec ses rebelles. Salut mec, donc on perd un peu en score de guerre, puisque du coup là on pourra jamais l'assiéger ce truc là, mais c'est pas grave. Ici on va pouvoir faire une paix. Pas trop trop dégueu.
Indépendance. Indépendance de quoi? De. Indépendance de Grèce. Sérieux? À Edirne. À Edirne, ici. Ah putain, ça rapporte du blé en plus dans le coin. Oui, j'ai fait un édit en même temps. Constantinople et Edirne. Oui, on va pas lâcher de l'autonomie dans le coin, clairement pas. Par contre, ça coûte une blinde, non? Oh non, ça va, 22. Allez hop. 22 pour un peu d'absolutisme. On va pas se faire chier. Ici, 22 aussi. Hop là, voilà. Donc là, tout le monde rentre. Parfait. Et donc ici, on attend que notre diplomate revienne. Oh, il veut une paix normale. Lui, il veut toujours pas. De toute façon, il faut que j'arrête la guerre hein, pour le vassaliser. Il veut pas s'allier. 6 provinces sont considérées à la fois par Éthiopie. Ah oui, il faut que je fasse gaffe à ce que je prends, effectivement. Ah d'accord. Ah tout ça, c'est ça fait partie de. D'accord. Donc il faut que je prenne que des trucs là, du coup, si je veux pouvoir le vassaliser ensuite. C'est pas cool ça. Jusqu'en 59. 1759, hein. Wow, putain, c'est la violence. Ouais, ok. Ça, il le considère comme légitime. Donc faut que je pourrais prendre tout ça en gros. En sachant que il veut plus être pote, hein. Il voulait être pote, mais maintenant il veut plus. Après on peut virer des provinces d'intérêt vital, hein, ça me coûte pas très cher. Hop, 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 voilà. Comme stratégique. Je peux la. Ok, d'accord, mais elle est déjà. Elle est stratégique, mais je peux pas la. Ah oui, c'est parce que j'ai des revendications dessus, pardon. Voilà, il nous aime un peu mieux, peut-être. Voilà, 28-32, il y a moyen. La confiance. Bon, je sais pas pourquoi il nous fait pas confiance, mais. On va gérer ça. Donc, du coup, on a dit il faut qu'on longe le lac. On prenne des trucs en longeant le lac et ça le fera. Ok, faisons ça. De toute façon, avec notre score de guerre, on fera pas de miracle non plus. On va prendre son blé, on va prendre des repas de guerre. On peut pas. Bon, en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de repas de guerre hein. Motapa va pas aimer, mais c'est pas grave. On va le draguer jusqu'à ce qu'il nous aime bien. On est parti. Hop, hop, voilà, parfait. Donc du coup, à légitimer. Toc, 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 toc. Attention à pas légitimer les trucs des états qu'on va dégager. Hein. Donc ici, on est déjà en train de se replier là, parfait. Donc lui, il va plus nous saquer hein, pendant un petit moment. On est bien d'accord, voilà. Il nous aime pas. On va dire qu'on est amicaux, là je peux pas. Faut que j'ai au moins 50, enfin faut qu'il ait au moins 50 pour pouvoir dire que je suis amical, c'est pas grave. On va du coup se concentrer sur cette zone là. Hop, on pose 4 pions pour faire le siège, ça suffira largement, hein, on n'est pas pressé. Puis c'est de la merde. Toi tu es en guerre contre Venise et des gens. Oui. Vas-y, passe, pas de soucis. Ici, on se scinde. Hop. Hop. Ouais, bon, allez hop, par là-bas. Eux, ils arrivent tranquillement. Notre objectif de guerre, c'est ce machin-là. On va le chercher quand même. Là, on est vraiment plus en danger sur ces contre des adversaires comme ça. Il n'y a aucun problème. Vraiment, vraiment aucun problème. Ok, là, une petite bataille gagnée. Donc, on va aller. Bah toi tu vas aller là, toi du coup tu vas plutôt aller par là-bas finalement. Tant qu'ils sont 9000 à se pointer là. Faut quand même qu'on leur fasse pas croire qu'ils ont une chance. Tiens, et la France ici, pas ce qui est fou là. Alors lui il va où là? Il y a un fort ici donc il peut pas passer. On essaie de faire le tour pour aller à la capitale, très bien. Ça c'est quoi ce truc? Le Bénin, putain le Bénin on en a profité. L'enfoiré. Mec, tu n'emporteras pas au paradis Bénin.
Toi, t'es en guerre contre le Bénin aussi. Ok, donc faut absolument qu'on aille prendre ça le plus vite possible. On va donc envoyer des gens dessus. Là, cette armée-là va largement gérer ça. Faillite d'un marchand. Ah oui, on peut complètement l'aider, hein, y a pas de souci. Au niveau des trucs, on peut peut-être faire encore que des universités dans des endroits sympas. On n'en a pas là, on n'a pas d'université Alexandrie non plus, on va les faire. Ah, ici il va où? Il a changé de... il remonte en fait. On va le poursuivre. Bon là j'imagine que le Bénin doit déjà être parti s'occuper de ça, mais... Encore qu'il n'y a pas l'air d'avoir de siège encore. Alors ici on a 6000 hommes qui sont là pour poursuivre ces gens. Donc tout ça on le donne à Yao. 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 Donc là on va pareil, on va essayer de chercher une guerre. Peut-être pas à 100% vu qu'il y a le Bénin qui s'amuse à faire chier, mais pas loin des 100% en tout cas. Pour faire blober Yao dans l'optique de l'intégrer ensuite. Alors ici on a amélioré au maximum, on peut pas faire mieux, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Trahison contre l'Ethiopie. Quoi? Les nobles perdent en loyauté, on gagne en professionnalisme, de l'agitation et des réserves locales. En côte septentrionale des Swahili. Alors qu'est-ce qu'ils ont foutu ces cons? On peut rien faire pour les aider. C'est bien malheureux tout de même, ça fait un peu chier quand même. Non, non, bah tant pis, ils vont gueuler les nobles, hein, mais... Du coup, on a gagné un niveau de professionnalisme. Il n'y a pas moyen qu'on laisse des traites s'en tirer, hein. Alors là c'est terminé, on va aller voir un peu. Ici il a envie d'aller taper sur notre vassal. Donc toi tu reviens. Donc lui nous kiffe du coup. Mais on est quand même... Ah oui, c'est parce qu'on est en guerre. Et la vassalisation, parce qu'on est trop loin. Ah non, parce qu'il a un niveau de développement trop important. Eh bien c'est pas grave. Accès militaire de la part de Maravis. Démerde-toi. Je me doute bien que je vais pas être le seul à te sauter dessus, mais démerde-toi quand même. Allez, on reprend. Alors on a plein de mecs qui font rien. On va en envoyer un s'occuper des dépendances et un des alliés. Ah, on a réussi une mission. Standardiser les uniformes. Bah oui, complètement, on va faire ça. Alors le Chokwe, on va dire oui par contre. Bon, normal, hein, les mecs ils sautent sur... lui, il est parti, je pense qu'il est parti se protéger. Hein. Ah, on perd pas mal de sous, et on a des soulèvements. Ok, il y a eux qui gueulent, pourquoi pas. On a largement les troupes qu'il faut dans le coin. Tiens, il nous manque un mec ici. Je vais me faire stack web quelqu'un, on va compléter. Ah, faut qu'elle soit légitime pour que je puisse recruter. Bah, écoute, c'est quoi qu'il faut recruter? Une infanterie. Eh ben, on va recruter une infanterie, c'est bon. Ici, voilà. Lui, il participe pas à la baston là. Par contre, il participe aux gens qui vont se soulever. 55, ouais, ça fait un peu chier. On en est où de la tech là? 25%, ouais. C'est une doctrine de qualité en plus qu'on a. On va se calmer un peu sur les peut-être la dépense des points militaires à un moment. Ouais, il y a le Bénin qui est là, fait chier. Bon, peut-être qu'il voudra déjà se casser lui. Il nous file ton blé, tu nous files pas ton blé, tu nous files des repas de guerre peut-être. Il nous file des repas de guerre et un petit peu de blé. Voilà, allez, c'est bon, on va laisser se démerder avec le Bénin. On va pas faire le siège du Bénin à sa place. Hein. L'influence des nobles diminue, mais par contre on peut de nouveau remonter leur loyauté, ça c'est parfait, on prend. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens en guerre, hein, c'est la fête. Ici, est-ce qu'on a enfin fini Casimir? Non, on n'a pas fini Casimir encore. Ça va venir. Ici, du coup, on les a pas rattrapés, mais du coup, ils sont en exil. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que notre diplomate se pointe et on demande une paix. On prend tout ce qu'on peut avec ce qui nous reste. On peut prendre un peu de sous pour compléter, voilà, 28.
Yao est super content, tu m'étonnes. Voilà. Donc il reste plus que cette petite merde qui va se faire bouffer par le Bénin très très vite. Ça c'est la France, ça c'est quoi? La Suède, d'accord. Ça c'est la Suède aussi. Ça c'est la Suède. Donc la Suède est bien posée dans le coin. Est-ce que un petit truc éventuellement voudrait être vassalisé? Ça c'est loin, mais il y aurait peut-être moyen. HNT serait prêt à s'allier avec nous. Et peut-être à être vassalisé quand on sera rapproché. Bon bah la Suède, on va pas vassaliser la Suède, hein, on est bien d'accord. Enfin, encore que, sait-on jamais? Suède, voudrais-tu être vassalisé? Hein? Non, hein. On est bien d'accord. Ok, ici, il restait pas une province à convertir dans le coin. Je sens que c'était un gros truc, hein. Mizima, Lindi et Kilwa. Lindi, je l'ai vu. On peut le convertir, Lindi, ouais. Hop, c'est parti. Donc Yao, on peut pas l'intégrer parce que il prend un peu trop ses désirs pour des réalités. Alors cette armée là, on va la replier au Caire. Tranquille. Ah parfait, on a réussi à convertir Kazimi enfin, ça va peut-être arrêter de gueuler. Hop là. On annule l'état. Hop, c'est bon. Est-ce que ça gueule un peu moins du coup? Est-ce que ça gueule? Non, ça gueule plus du tout, donc ça, ça va tomber, parfait. La Grèce, ça coûte 22, on paye par contre. Là, on va pas payer, on va les écraser. Hein. Quoique, Sénat, pas lâcher un peu d'autonomie en Sénat, c'est ouf. Sénat, c'est ici, 0,12, allez. Je sais, ça perd un petit peu d'absolutisme, mais bon. C'est pas la mort. Donc ici, on va lancer l'entraînement du coup. Une fois qu'on sera au Caire, on lancera l'entraînement, et ici, on va se replier sur notre bonne vieille capitale, et lancer l'entraînement aussi. Alors là, efficacité commerciale plus 10, on prend cette demoiselle. Alors on va perdre un peu de sous, mais toujours le temps qu'on termine de convertir Kilwa, là, qui coûte une blinde. Tiens, il y a un nouvel état là à 34, Udavandigar. U. C'était pas U avec. Non. Bon. Regardons où c'est. Ajuran, Juba, Mara. Touf, touf. Où est-ce que c'est que ce truc? Non, ça non. C'est ici. Ah oui, bah ça par contre on prend ça. Y'a pas de problème. À 200% même. Alors ici les gens, vous êtes regroupés. Alors où est-ce que c'est rentable? Alexandrie, pas si mal. Alep. Alep c'est bien. Ouh, Golfe d'Aden c'est propre. Constantinople. Ah oui, c'est vrai que du coup on a complètement du commerce à Constantinople du coup. Ouais, ça vaudrait presque le coup de déplacer notre capitale là-bas du coup. Par contre, faudra vraiment qu'on mette des bateaux du coup en Méditerranée cette fois. En attendant, on va l'envoyer au Golfe d'Aden. Et ouais, c'est vrai qu'ici, mine de rien, 44%. Hein. Y'a quoi? Y'a 14 qui se barrent. Et c'est tout. Tout le reste arrive. Donc si on empêchait ça de se barrer. Ouais, il coûte 18 ce nœud, celui-là coûte 31. Ouais, c'est peut-être un peu prématuré encore. C'est peut-être un petit peu prématuré. Alors, on a quelqu'un qui fait rien, on va l'envoyer s'occuper des pays outragés. Donc on perd un petit peu de sous, mais ça va se régler tranquillement. Yao refait des troupes. Est-ce qu'on pourrait pas claquer? On va claquer un peu de prestige pour les apaiser, voilà. Et voilà, Kilwa est converti, donc le budget se rééquilibre direct. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une doctrine. 15%. Longévité du navire plus 5, ouais. Non, on va attendre la tech, je pense.
Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est aller s'occuper de Constantinople. Alors, combien ça coûterait aujourd'hui de convertir Constantinople? 17, c'est pas tant que ça. Donc on va caler un édit ici. Hop. Et on va s'occuper des Dirnes et de convertir Constantinople. Et ça, ce sera la classe. Au niveau des cultures, on est au max. Il n'y a rien qui soit vraiment rentable de virer. C'est parti pour convertir Constantinople. Donc ici, on a le mec toujours qui s'occupe des rébellions. Ça fait le taf. Là, c'est parti, on s'entraîne. Ici, bah ici tout le monde se regroupe, pas de problème. Bon, c'est plutôt propre tout ça. Alors le golfe d'Aden, on envoie 24, il y en a un 68 qui sort. Je me demande si je les ai envoyés à Aden, c'est les 10 bateaux là. Ah, on a une colonie autosuffisante, très très bien. Ils sont où mes autres bateaux? 10, vous là. Alors déjà, vous allez choper le commandant qui fout rien, qui s'appelle Yeshak. Hop. Voilà. Et vous allez protéger le commerce. Ouais, j'avais dit Aden. Vous allez aller au Gujarat plutôt. Gujarat, il y a encore deux qui se barrent. Ouais, bon, en même temps, c'est pas ouf non plus. Ici, il y a beaucoup plus qui se barrent là. Si vous alliez à. Comment ça s'appelle ici? Coromandel. Sérieux? Coromandel. Ça s'appelle pas Coromandel ce nœud là. Ah si, une Coromandel, ok, bah, très bien. Du coup, il n'y est effectivement pas dans ma liste. Pourquoi pas? Alep, Aden, Gujarat, Constantinople, Crimée, Bassora, Hormuz, Zanzibar, Australie. Ouais, bah du coup, tant pis. Hein, on va aller. On pourrait commencer à envoyer des bateaux de l'autre côté. On va les envoyer à Alep. Ils vont faire tout le tour du coup. Alors, donc notre colon. Notre colon. Qui est ici. Donc ça, ça fait toujours pas 10. Hein. Non, ça fait 8. Donc oui, comme vous me l'avez dit, c'est écrit là, la colonie d'Australie. J'étais un peu les yeux dans le pâté sur celle-là. Donc ici on a une province à 11, hein, c'est propre. Province à 11, une province à 9, juste à côté. Ça me paraît pas mal. Alors est-ce qu'on peut expulser des gens? Des Omanais, tiens. De Mascate. Ouais, faisons ça. Ils sont coptes en plus. Les Ottomans ont sali le nom de marchands. Ok. Alors, Maravis, sa gueule, 45. Sa gueule où? Ah oui, sa gueule dans toutes ces zones-là. Donc on a une armée ici qui s'entraîne, qui va arrêter de s'entraîner, qui va passer en neutralisation des rebelles quelque temps. Ici, on va commencer à en drainer ceux-là en attendant que les autres arrivent. Sinon, sa gueule où? À Zazo. Ah oui, bah oui, normal. Les séparatistes là qui vont gueuler un peu. Ça nous regarde pas, il va gérer. Maravis s'en tire plutôt bien de sa guerre, hein, on dirait. Attends, il est en guerre contre toute l'Afrique, mais tout le monde tape sur Kassanje en fait. J'ai l'impression qu'il sert un peu de bouc émissaire, le mec. Il veut nos provinces. Ouais. Bah écoute, tu le sauras pas, mec. Je suis désolé. Tu seras vassal par la force ou par la diplomatie, mais tu seras vassal, ça c'est sûr. Et jusqu'à quand notre trêve avec l'Ottoman? Brésil français, 94. Tiens, c'est marrant, sa trêve avec Venise se termine avant. Ils ont dû faire vraiment une très petite paix. Commerce intercolonial. Alors, ces colonies sont éthiopiennes et leurs intérêts sont les leurs, ou on perd en mercantilisme. Nos intérêts sont les leurs, leurs intérêts sont les nôtres. Ouais, alors on en est où avec eux? Ouais, on gagne un petit point de mercantilisme. On s'en fout un peu, franchement.
Ici avec la conversion ça gueule, mais par contre les gens... attends, ici ça gueule même pas tellement... Il y a eu un soulèvement récent, c'est pour ça. Ok, je comprends mieux. Donc Maravis ça va péter, Zazo il va gérer ou pas. Grèce... Allez, on reclaque 22 points pour des points d'absolutisme, c'est très très rentable. Comme prévu, le Bénin a bouffé ce truc là. Hein. Ici... Lui, il serait pas contre devenir notre vassal. Hein. Alors, on a des trucs qui se sont passés. Donc, l'éclair, on va remettre des missions. Ils nous kiffent l'éclair, on pourrait pas faire quelque chose avec eux. 150 points admin, ouais, c'est pas trop le contexte. Ici. Alors, le général, on en a pas besoin et on en a déjà trop. On va prendre un ministre pour les remonter juste à 60. Même si il n'est pas très intéressant, enfin encore que. Hein. Il est amélioration des relations, ouais. Bon. On est en train d'améliorer les relations avec tout le monde, donc ça pourrait être pas inintéressant quand même, hein. On verra. Est-ce qu'on peut pas taxer un peu de blé à eux là? Non. Donc là, ils se sont soulevés juste sous nos pieds, on va donc les défoncer très très vite. Voilà, merci, à bientôt. Donc là, il n'y a personne qui est directement collé à Maravis qui est en guerre contre eux, donc je pense que personne ne va rien prendre au final. Ok, bon, bah on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. C'était un petit épisode, ma foi, plutôt tranquille, mais bien géré, je pense. Là, on va pouvoir prendre notre technologie dès qu'on aura pris un petit peu d'avance, enfin un petit peu de retard plutôt. De toute façon, là, on a pas moyen de prendre ça avec de l'innovation, donc ça sert à rien de payer plus cher. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on essaiera, je pense, de se concentrer peut-être un peu sur le commerce de cette zone, parce qu'on commence à être bien posé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.